J'arrive. On attend quelqu'un? C'est du courrier, Samy, et c'est un énorme colis. Un colis? Vraiment? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Laisse-moi voir. Attends une seconde. Nom d'un fromage su, je suis sur le point d'exploser de curiosité. C'est de mamie. Elle sait que j'adore ses bonbons. Passez-moi toi, tu sais. Ah, je vois. Serre-toi. Et il y a aussi une lettre. Cher Suzy et Samantha, je vous envoie vos poupées Barbie que vous avez oubliées depuis pas mal d'été, accompagnées de vos friandises préférées. Elle espère aussi qu'on va bien et elle te passe le bonjour, Samy. C'est gentil. Salut, mamie. Oh, il y a autre chose. PS, essayez de ne pas manger tous les bonbons en une fois. C'est mauvais pour vos dents. Tu n'as pas mangé tous les bonbons, n'est-ce pas? Qui, moi? Non, bien sûr que non, je les ai simplement tous goûtés, très délicieux. Samy! Je suis désolée, Su, ces bonbons étaient tellement bons que je n'ai pas pu m'arrêter. Oh là là, un jour je devrais faire quelque chose à ce sujet. Tu ne peux pas manger autant de sucreries. C'est bon, j'ai compris. Au fait, ta grand-mère a dit quelque chose à propos des poupées. C'est exact. Tu veux voir? Oh là là, regarde ça, c'est une véritable mine d'or. Ouais, en quelque sorte. Tu vas bien, Su? Tu sembles contrarié, tu n'as pas aimé le colis? Je vais bien, Samy, ça m'a beaucoup plu. C'est juste que... Tu ne trouves pas que ces vêtements ont l'air un peu vieux? Vieux? Ouais, t'as raison. Pardon, mademoiselle, je pense que cette robe est démodée depuis une décennie. Je suis d'accord. Oh, je vais en faire quoi maintenant? Allez, Su, on va faire de nouveaux vêtements pour tes poupées. Elles auront la plus stylée des garde-robes. Merci pour ton soutien, Samy. Dans ce cas, au travail. Salut tout le monde! Vous êtes prêts à voir quel type de changement à nos magnifiques modèles? Tout d'abord, nous avons besoin du bon tissu. Lequel choisir? Suzy! Ah! Oh, tu m'as fait peur! Je voulais juste dire que la dernière fois, tu as vraiment fait des tenues géniales avec des ballons. Hein? Tu le penses vraiment? Bien sûr! Les amis, vous vous en souvenez? Une fois, Su a créé des tenues en ballon pour son propre défilé de mode. Vous ne trouvez pas que c'était incroyable? Eh bien, je pense qu'on peut réutiliser des ballons. Merci pour le conseil, Samy. Toujours à ton service. Pour la première tenue, j'ai besoin d'un grand ballon, d'un petit ballon et de ciseaux. Je vais simplement couper le bout du gros ballon comme ça et nous aurons un haut pour la robe. Maintenant, je vais couper le bas, comme ça. Et voilà! La première robe est presque prête! Tu rends toujours tout si facile! Merci, Samy! Et maintenant, ajoutons un peu de style à cette tenue. Les amis, n'oubliez pas de faire très attention avec les ciseaux. Et n'hésitez pas à demander de l'aide à un adulte. Et pourquoi tu as découpé ce triangle? La robe était déjà jolie. Oh, Samy, tu ne comprends pas. Les hauts à une épaule sont vraiment à la mode maintenant. Tu ne vois aucune différence? Eh bien, moi, oui! Le reste du ballon fera un super volant. D'accord, si c'est absolument nécessaire. Les détails, Samy? La mode se joue sur les détails. C'est ce que disent mes professeurs. Je pense que je comprends maintenant, Suzy. Tu es un excellent élève, Samy. Tu pourrais peut-être me dire ce qui manque ici? Que dirais-tu d'une ceinture? Excellente idée. Allons faire la ceinture avec un autre ballon. Et maintenant, voilà. Je la trouve plutôt bien. C'est vraiment le cas, mais tu sais ce que je vois? Ce look manque d'accessoires. Hé, tu as raison. Et j'ai justement ce qu'il faut. Maintenant, regarde attentivement. Je coupe un tout petit morceau du ballon. Et ensuite, je le passe à travers l'anneau et je l'attache. C'est microscopique. Eh bien, il nous reste juste à choisir les bonnes chaussures et la tenue est prête. Que dirais-tu de cette paire? Waouh, Samy! Je trouve que vous avez bon goût, monsieur! Ces chaussures vont très bien avec son nouveau look! Heureux de l'entendre! Très
bien, place au prochain relooking. Je vais commencer exactement de la même manière que la dernière fois. On retire la partie supérieure du ballon. Maintenant, une autre coupe à un angle comme ceci. Et on obtient un joli haut. Essayons-le. Incroyable! Ensuite, nous allons faire une jupe d'une autre teinte de vert. On coupe. Suzy, utilisons ce ballon rose en forme de cœur. Non, Sam, on en aura besoin pour la prochaine tenue. Eh bien, regarde le résultat. À quelle occasion s'habille-t-on comme ça? Je pense qu'on peut la porter aussi bien en soirée qu'en journée. Alors ce soir, on aura une super fête. Hé, mademoiselle, voulez-vous danser avec le meilleur danseur en ville? Attends, Samy! Cendrillon a failli oublier ses chaussures. Là, on parle. N'est-elle pas magnifique? Cette tenue est vraiment superbe! Essayons quelque chose de nouveau! Youpi! Je vais créer un haut extrêmement à la mode pour la prochaine jolie poupée Barbie. Très bien! Il faudra faire 3 trous supplémentaires pour sa tête et ses bras. Et voilà! C'est presque prêt! Les poupées ont 2 mains! Mais je connais l'astuce pour faire 2 manches d'une seule coupe! J'ai fini! Il est temps de s'habiller! Si, je peux t'aider? Je pourrais peut-être choisir quelque chose pour la prochaine création? Ça, je peux le faire! Aucun doute là-dessus! Oh, j'ai toujours voulu avoir un haut vintage comme celui-ci! À quoi sert ce ballon? Une jupe! La couleur est parfaite! Ouais, ça va très bien avec le haut! Sam, peut-être que tu pourrais aussi choisir les accessoires. Pas de soucis, je suis dessus. Voyons voir. Non, non. Absolument pas. C'est plutôt ça. Les voici. Pourquoi deux? Je n'arrivais pas à décider quelle paire irait mieux, donc je les ai prises toutes les deux. Est-ce qu'on peut vraiment les porter comme ça? Tout est possible si ton styliste est Sam le Slime. J'aime ta façon de penser, mais j'ai peur que le modèle soit inconfortable dans différentes chaussures. Comme d'habitude, on sous-estime les grands artistes. Oh, ne dis pas ça, Samy. Les amis, nous en sommes à notre dernière Barbie. Faisons sa robe moins formelle. Enfin! Peut-être quelque chose de décontracté, mais qui est à la fois confortable et joli. Attends, quoi? Quoi? J'aime quand c'est confortable. Non, pas que je n'aime pas ces robes chics que tu as faites. Qu'on a faites, Samy? Ton aide a été très précieuse. Maintenant, tout comme la dernière fois, je dois faire les emmanchures. En fait, tu as raison, Sam. Les robes de soirée peuvent être assez inconfortables. Les filles, je ne sais même pas comment vous faites pour porter ces talons et robes étroites. Eh bien, ce n'est pas si difficile. Et on n'a pas à le faire très souvent. Il ne reste qu'une jupe. On est sur la ligne d'arrivée, les amis. Je n'arrive pas à y croire. Je pense que cette jupe devrait avoir une fente à l'avant pour que la poupée puisse se déplacer confortablement. Ouais, ouais, ouais. Bouge, cours, saute, danse, joue au ballon avec... Oui! Oh, Samy! Très bien, essayons. Pourrais-tu trouver des chaussures plus confortables pour cette tenue? Avec plaisir! Et je vais faire une ceinture pour cette tenue colorée. Et voilà! Je trouve que celles-ci ont l'air bien! Oh, waouh! Tout va parfaitement bien ensemble! J'adore! Attendez, mademoiselle, vous avez oublié vos accessoires! Tu es si attentionnée, merci! Tu me connais, si, pas de soucis! Ok, juste quelques touches finales. Voilà! Oh là là! J'adore ces boucles d'oreilles! On dirait que nous avons fait du bon travail aujourd'hui, Samy! Qu'est-ce que t'en dis? Je dirais que maintenant tout le monde a du style! Hé, les amis, vous préférez les nouvelles ou les anciennes tenues? Donnez un j'aime pour les nouvelles et abonnez-vous pour les anciennes!
Et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos nouvelles idées de design. Au revoir! À bientôt tout le monde!